c'est l'heure du clash de ce dimanche soir, clash collector, avec un sujet ce soir. Le thème. Alors le sujet. C'est pas mal. Le clash, j'ai eu très très peur. Et on a entendu. Les attractions, les nouveaux spectacles, la totale. Ça va être super, non? Eh ouais. Et bah pourtant Kimber. Apparemment elle est contente. A priori tu es heureuse. T'es contente Kimber? Mail, là, il habite à Montesquieu, Volvestre, c'est à côté de Toulouse. Et donc, ah bah big up Volkinkumbolnentre. Ah faudrait pas que t'habites dans une ville comme ça, Romano. Ouais. Non, en internat, c'est... En internat. C'est Mélanie. Hein, c'est... Oui, déjà. Tu me comptes interne, Romano. Il est tellement content d'avoir gagné son clash qu'il... Tu as remarqué, Romano, que quand tu allais en Italie, Kéké, tu y vas régulièrement. L'Italie, Kéké. Kéké. Et il aime bien, hein. Oh, qu'il est content d'aller en Italie, Kéké. Le Brésil, c'est le pays où on est le plus aimé. Deuxième, c'est la Pologne. Ah bah, ami polonais, oui. Ami, je sais pas comment on... Vodka, voilà, vodka. Ce charmant bonhomme m'a invité à mettre mon suppôt dans les fesses et en Quelle belle déclaration, c'est fini? Non. Ah non, c'est pas fini, alors attendez, excusez-moi. Et ensuite... Ah, et ensuite... Le quatrième, l'Ibizambi, le foot. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Romano, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Je voulais pas faire le bug. Le bug, je voudrais le bug. Il est là. Comment s'appelle-t-il? Branlette. Non, il s'appelle Mehmet. Ah, et ta meuf, c'est Pipine, ça je sais. Oh, comme c'est joli ton prénom. Oui. Parce que ça a été comme ça depuis qu'il est tout petit. Moi, j'aime bien Starship. Cherchic. L'Antarctique, là. Antarctique. Antarctique, quel le titre, là, voilà, Nicki Minaj. Moi, c'est pas mal. Non. Ça me dit quelque chose, ça, moi. Ça me dit quelque chose, ça, moi. Non, ça peut pas dire ça, moi. Attends. Ok. D'où tu nous appelles, Valentin? De Chine qui a mis un commentaire ou je sais pas quoi. Ouais, Nishowa. Ça, alors. Sushi. En fait, il y a un mec de Lyon. Qui. Romano vient de lancer un message à la Chine qui nous écoute. Moi aussi, je me suis mis à me masturber, je me suis entièrement mis. Je me suis mis entièrement nu. Sa baraguine. Ouais, non, ça, alors ça. Romano, ça ne... Et l'autre il se fout de ma gueule, sa caraguine, ouais, ok. Alors... Genre... Salut. Ça va? Salut Jean. Ouais, ça va. Bon, bah écoute. Salut Romano. Salut. Salut. Que tu chutes quand tu Dans le petit cake, dans le bug, dans le bug, et bug. Le bug chute lui aussi. Oui, parce qu'il est en France actuellement, chez Paul. Eh ouais, il m'a contacté, il m'a dit hey Romano, yo. Ah ouais, il m'a dit un truc comme ça. Voilà, je dis oula, Sean, t'as fumé de la drogue, man.
bah exactement, fais attention. Bah je fais attention, mais j'arrive dans 5 minutes, hein, et ta femme va bien prendre une D'accord. C'est ça, on va lui dire. Très bien, on va lui dire. Ouais. C'est à cause d'ici, là. C'est à cause d'ici, quoi? Je sais pas, c'est depuis que Skycrot. Non, non, mais c'est gros bidou. Vous avez vu, vous n'arrivez pas à parler, ce n'est pas Skycrot. Ça vous dit pas de récupérer un petit perroquet? Non. Un petit perroquet, un petit perroquet. Il parle aussi bien que le monsieur qui est en train de vous parler. Je t'exprime aussi bien qu'un perroquet, Romanos. Ça et on donne un très beau 5 au Capricorne et au Lion. Quelqu'un m'a pris une tarde. Tu voulais me poser une question, mais je crois. Ces états, t'es pas, mais t'es bien Capricorne. Une info que nous donne Dylan Rowe. Il y a un god sur le bon coin. Sextoy. 30 cm 9. En Seine-Maritime, 25 euros. Bon, bah, c'est bon pour les témoignages? Bah, ouais, bah, allez-y, on vous attend maintenant. Très bien, pas de problème, Romano, avec plaisir. Vas-y, vas-y, ouais. On y va pour vos réactions pour Bref du mois. Et qui s'arrête dans une station-service et nous dit, il y a des femmes comme Pamela. Ah ouais. Super, ça, dis donc. Ah bah, ni donc, bah, des femmes comme Pamela, ça veut dire quoi, ça veut dire des hommes, quoi, Romano, des travolos. Des travestis. Mais moi, je voulais qu'ils nous donnent l'adresse, moi. Ah bon. Commerçant en roulette. Commerçant en roulette, commerçant ambulant, ambulant. Voilà, commerçant ambulant. Ouais, je vais apprendre à parler. Allô? Oui. Écoute, ou demain. Ben quoi? Ah bon, on a hier, du stock, quoi. Comment il s'appelle celui qu'on a eu hier, là, déjà? Philippe? Philippe? Ah non, pas Philippe, l'autre. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce nom-là. Non, c'est Patrick, mais un deuxième Patrick. Ah oui, un deuxième Patrick. Oui, exact. Eh bien moi je suis payé pour réveiller les gens. Donc ce matin j'avais envie de te réveiller mon totof. J'avais envie de te réveiller en te disant des mots doux. Super. Ah bah là c'était un Rimi. D'accord, merci Romano. Tu voulais dire que c'était un remix peut-être? Un remix, oui. Voilà. Elle a dit non, mais bon, elle est excitée, elle sait pas ce qu'elle doit faire. Elle est complètement paumée, cette bonne dame. C'est toi qui es paumée là. Quelle est paumée, Élise. Oh la pauvre. Il a compris et en plus il a dit oui. C'est ah bah, fou, ça que roule Macapaquet. Qu'est-ce que t'as, Robin? Tu parles comme un japonais. C'est parce qu'on a parlé des japonais qui sont à l'aéroport avec leur masque. Ben oui, Macapaquet. Et maintenant. Il y a et tout, donc je peux pas. J'ai mon chien emmené chez vétérinaire. Ah ouais, bah attends, tu préfères quand tu préfères pas me voir moi? Bah j'emmène déjà ma chienne chez le vétérinaire et puis après on voit. Ouais, bah le vent en poupe, j'espère le récupérer le vent. C'est sa maladie. J'espère me prendre un pas à tête. C'est des vents là. Depuis que Cédric a été malade, l'arbitre dit foule est pour lui. Des basses et Co compagnie, en plus des toits, ah ouais, Bass & Co. Ouais. Bass & Co. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Ça fait égorger quoi. C'est un signe. Qu'est-ce que t'as eu, Romano? Non mais je voulais citer le pseudo mais c'était trop tard. Bon,
bah écoutez, oui, ça sera avec plaisir. Eh ben, avec plaisir, c'est bien aussi. Gentil. Merci, dame Jacqueline. C'est Jacqueline. Ouais. Oh voilà, merci. Vous avez fini de rigoler. Non, mais excusez-moi. Non mais bon, peut-être. Je sais pas, t'habilles comme un sac. Non mais la meuf, si tous les jours elle est habillée comme une. Comme une truie. Une truie ne s'habille pas, Romano, elle est toute nue la truie. J'étais là, je prenais les boules et j'une blatadadadam, les kicks qui partaient dans tous les sens. Il faisait des strikes. Des strikes, oui. Ah ouais. Et Romano, pour l'instant, pleurait, plus jamais il a rejoué avec moi. Dans le bayou là, ça va. Ça va être casse-couille. Ouais, bon, l'année est finie, tu vas me dire. Donc là, t'as, ça dure un peu. Exactement. Là, c'est le bruit de l'ours. Bien sûr. D'accord. Ou le loup-garou. Ça a l'air d'aller dans ta tête. Je sais pas, non, mais je comprenais plus. Cédric a fait tap-tap-tap-tap-tap. Tu fais ta déclaration et tu pourras chanter la chanson que tu veux. Tu veux quoi? Florida. Florida. Je traduis, j'ai compris. C'est Florida que tu veux. Florida. Bon, Romano, à toi. Bon, qu'est-ce alors que tu moi veux ce chanter? Soir, je vais chanter Florida, Whistle. Whistle de Florida. Oui, quoi, Whistle. Comment tu dis? Bah, de toute façon, en fait, c'est devenu voter Romano. C'est Vittel. Tu l'as en plus, toi, ça va. Alors, c'est pour toi, bonne chance. Frédéric. C'est Frédéric. Non, alors, c'est pas le prénom. Allô, Frédéric. Ouais. On retrouvera donc le problème Ils du ont mois. Besoin d'aide et on les aidera. En tout cas, on en aidera. Comme... Mais tu es tout perturbé, c'est parce que t'as devant ta surprise. Et Moshita, quelque chose à rajouter aussi? Ah, il y avait le coup de l'arrosage dont tu voulais nous parler. Ah oui, régulièrement, il m'arrose le gazon. Eh bien. Qui a encore l'annonce? Ah, je sais pas, monsieur, écoutez, c'est pas grave. Ah bah si, c'est grave, moi, vous me faites perdre du temps, mon bon... Eh ben, c'est pas grave, allez, au revoir, monsieur. Vous voulez pas un petit coup, vous? Qui va arriver dans un instant avec nous de Valence. Bonjour, Camille. Bonjour. Bonjour, coucou. Camille. Salut, bonjour, Camille. Camille. Ça... Oh, Romano te dit bonjour. Il t'a fait... Bonjour, Romano. Oui, remets-toi vers le téléphone parce qu'on n'a pas entendu le mot le plus important, le nom du logiciel. Ton pote, il devrait... C'est bon, là? Ah, c'est qui est bon. Ah, Romano confirme, qui est bon. Il n'y a pas de traces. Non, non, mais bon, on faisait pas de webcam. Qu'est-ce que tu dis? On faisait pas les caméras. Tu faisais pas de caméra? Non, pas de caméra avec la gothique. À faire des rencontres, j'ai trouvé ta voix sympa. Tu m'as l'air sert forcer une technique et je me suis dit pourquoi ne pas le rencontrer. Bah, je vais les essayer plutôt. Et toi, Romano, c'est quoi ta méthode? Moi, je vais faire le tour du. Le tour de l'anus, tu vas faire. Romano, c'est le tour de l'anus. De qui tu veux faire le tour de l'anus? C'est vraiment ton truc en fait. Et c'est quoi ton nom, petit prénom, toi? Mitch. Mitch? Ouais. Comme Mitch Buchanan, la Martin et Nibou? Ouais. Ah, d'accord. On a exactement la même idée, c'est-à-dire que tu lui demandes de t'aider en cours. Non, mais ça, ouais, là, toi, c'est le plan rêvé, quoi. C'est... Ah, c'est génial. Une pour une, c'est simple. Ouais, c'est ça. Ouais. Que... On ne peut ça plus ça. Ça a l'air simple, dans ta tête. Une pour... Ah, ils arrêtent là, là, là. 80 pour les Allemands. La machine est à... qui fait route. Exactement. La machine est en route. Coucher, quoi, ouais. Que j'aime très fort. Oh,
depuis deux ans. T'as cassé nos cordes, je crois. Qu'est-ce que t'as eu? Ah, Cédric, s'il te plaît, putain. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, tu tournes la tête, fais un truc. T'es vraiment. T'es vraiment affreux. On parlera également du des nouveaux bugs de la semaine. Ah, des nouilles. Exactement. Et on va. Non, mais Momo, mais déjà celle-là, ouais. Voilà, mets sur blog, le Facebook et tout le bordel. Partout, mani gnogno. Vas-y, gnogno. Mani gnogno. Ouais, mais si t'as une pièce à la maison, t'as envie d'en griller une, t'y vas dans le garage, quoi. Bah ouais, ouais, c'est clair. Non, mais c'est ça, hein, tant que t'es. Mais ouais, mais exactement. Tout à fait. Tabac, quoi. C'était clair c'est... ou pas? Non, bien sûr, non, ça c'est. Très clair. Ça c'est plus la drogue. Je me fais un peu chier en guettant, je vais demander aux familles si je peux pas venir les voir. Putain, Callaghan, il a des bonnes méthodes. Ouais, ouais, non, mais franchement, bravo à toi. C'est son nom de famille. Vous avez pas vu la gueule qu'il a fait, Romano? T'as eu un blocage de la tête. On a Jérémy. Jérémy. Ah, bah tiens, on est en Bourgogne. Et, ah, bien et, ça. Et oui. Salut, Jérémy Guignon. Oui. Mais calme-toi. Oh putain. Ou peut-être ah, y aura une surprise. Un appel de dernière minute. Ou alors l'autre solution, c'est quoi l'autre solution? Eh ben tu. Merci Romano. Ah, ouais, ouais. Ça là, elle est pas mal. Bah l'autre solution, c'est tu lui fais des allusions, tu lui. Ouais bah tu lui signales, fais alors la soirée. Poupée vaudou, on en parlait là il y a un instant. Et voilà. Ouais. Et oui, pique aiguille. C'est vrai. Poupée vaudou. Pique vaudou. Oui. Je crois que je suis possédé.